Salut à tous, ici Skilo et le Padré. Et on se retrouve aujourd'hui pour Diditrix. Diditrix. Qui est un artiste qu'on avait fait un petit temps pour la cité. Bon, c'était pas un morceau que t'avais spécialement aimé. C'est nous la cité, je vais pas te faire un dessin. C'est nous la cité, je vais pas te faire un dessin. Ici, c'est nous, c'est pas les Schmitt qui décident. Ici, c'est nous, c'est pas les Schmitt qui décident. Mais bon, on va quand même réessayer et espérer que celui-là te parlera plus. Du coup, le titre c'est Quoi de neuf ? Rien. Bah non, c'est vrai que ce serait difficile qu'il y ait quelque chose de neuf là. On est confiné. Voilà. Oui, bah justement, c'est neuf ça. On est confiné. Oui, voilà. Quelques temps. Quoi. Oui, c'est une nouveauté dans notre vie. Ouais. Bref, bah, on va se check ça tout de suite. C'est parti. C'est lui, Didi ? Oui, c'est lui. C'est seulement. Ça ambiance. Elle est trop nebo, j'ai pas les mots. Derrière un micro, ça joue les chaud. Ils disent la rue la vraie, mais non, c'est faux. Sur le raté, mon ami, il faut baisser la dèche. On détaille, on revend, La danse de fou qu'il devait y avoir dans le tournage, quand même. Faut pas pookie comme 6ix9ine. Faut pas pookie comme 6ix9ine. Il a dit faut pas balancer comme 6ix9ine. Oh non. Faut pas boogie comme 6ix9ine. Comme 6ix9ine, il a balancé tout seul. On encaisse des billets de banque dans le bloc. Oh la folle, elle veut de la doogie. Oh la folle, elle veut du Gucci. Quoi de neuf, motherfucker. Beef non-stopper. Fais pas le fou, on sort les outils. C'est réel, c'est pas un movie. Faut pas boogie comme 6ix9ine. Il le répète, ce salaud. Alors, quoi de neuf, motherfucker ? Pas mal, cette ambiance. Ah, ça y est, tu commences à apprécier Diditrix. Ça m'étonne, ouais, d'ailleurs. Je trouve que c'est superment bien fait. Rien que les couleurs du clip et cette ambiance. Ouais, je sais pas, ils sont tous là à danser, ouais. Mais c'est fou. Et franchement, pour moi, c'est le genre de morceau que seul Diditrix est capable de faire. Quoi. C'est particulier, mais ça fait bouger dans tous les cas. Mais je pense à la réécoute que tu te rends vraiment compte du truc. Et clip assez unique quand même. Hein. Oui, il est très... J'avais jamais vu ce type de clip. Ouais. Enfin, si, j'ai vu des clips de danse, de soirée, mais pas fait de cette manière-là. Et même sans changer les couleurs comme ça, c'est... Pourtant, allez, je veux dire, c'est nouveau, quelque chose de simple, hein. Mais ça fait vraiment mouche, quoi. Hein. C'est vraiment bien fait. Et alors la poulette au début, hein? Oui, c'est une de la police, hein. Ouais, mais donc c'est quand même ironique, parce que d'habitude, ils essaient de fuir les flics. Parce que, tu sais bien, ils ont souvent de la substance sur eux. Mais ici, non, c'est la policière qui vient justement lui parler pour le rejoindre, quoi. Donc ça fait une vision bizarre des flics. Après, oui, je ne sais pas s'il y a des femmes de ce genre chez les flics. Peut-être, bah non. Peut-être pas à ce point. Pas en réel. Hein. Qui sait, il y a peut-être une exception à la règle, tu vois. Je sais pas. Hein. Mais, moi, je vais bien me faire arrêter dans ce cas-là. Mais je trouve, ouais, même la façon dont ils dansent et tout, très synchronisé. Et des pas de danse très particuliers. Enfin, moi, ils offraient des pas de danse que j'avais jamais vus. On est dans les danses de rue, comme ça. C'est... Allez, on ouais, c'est, là, c'est ça, ça fait un peu danse de rue. Street dance. Hein. Un spectacle. Franchement, non, on a assisté non, oui. À un spectacle. Ce qui conclura la vidéo sur Diditrix. Ils sont quoi de neuf? Ben nous, il n'y a rien de neuf, hein, comme on l'avait dit. Voilà, on est là, on est posé, on est RPZ de la chambre. Il n'y a que ça à faire. Mais vous, dites-nous un peu, parlez-nous de votre expérience confinante, je ne sais pas ça se dit, mais voilà, non, qu'est-ce que vous faites de confinement. Hein. Ouais, de confinement, voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao. Quoi de neuf, motherfucker ? On encaisse les billets de banque dans le placard.